Et donc, me revoilà sur le terrain avec notre personnage. Je vais vous présenter bien évidemment ses tenues, un petit peu sa maison. Donc, nous sommes déjà en hiver parce que comme c'était pour Noël, j'ai décidé de mettre déjà en hiver parce que j'aime beaucoup jouer avec l'hiver, les bonhommes de neige, les anges dans la neige, etc. Donc, on va commencer avec pas vraiment beaucoup de meubles du coup. Et puis, ah non, elle est pas adolescente, elle est jeune adulte, du coup, je pense. Complètement trompée. Mais c'est pas bien. Voilà. Elle deviendra adulte dans 21 jours. D'accord. Donc, on va se lancer déjà dans une carrière. Donc, elle va se lancer dans la carrière de chef, du coup. Donc, déjà de commis, je crois, il me semble. Je ne suis pas sûre. Ah oui, on voit la cuisine, la cuisine, la cuisine. Je l'ai loupé ou il n'y avait pas? Ah, c'est là. Donc, tout le monde peut préparer un dîner ou une boisson. La carrière cuisinière est destinée à ceux qui veulent passer au niveau supérieur et gagner leur vie, chef et mixologue. D'accord. Donc, on commence expérience pour la promotion. Préparer ou manger, préparer des boissons. Préparer à manger, préparer des boissons. D'accord. Bon, bah, on va se mettre un bar et puis une cuisinière et puis on va s'amuser à préparer tout ça. Dans un premier temps, est-ce que je peux? D'accord. Bon. On commence avec 19 630 simflouz. Alors, on va vraiment faire attention pour commencer. Et puis, on va lui faire sa chambre, la cuisine. Alors, j'aime pas trop comment il a ordonné la maison, mais c'est pas grave, on changera au fur et à mesure. Ouf, un petit peu fatiguée. Alors, on changera au fur et à mesure, c'est pas bien grave. Et puis, on va commencer à placer des lumières vraiment pas chères du tout. Voilà, on va partir par sur ces lumières-là, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Voilà, on va partir sur un lit basique, hein, rien de bien. Voilà. Voilà, dans cette couleur. On va quand même lui mettre une petite commode. Alors, à la limite, hop. Bon. J'ai commencé par une petite commode comme ça, de la même couleur que le lit. On va commencer avec ça, ce serait déjà pas mal. Une douche, alors on va partir sur la petite douche, hop, étudiante, et puis les toilettes. Hop. Ensuite, salle à manger, etc. Je vais juste lui mettre de quoi peindre, histoire de gagner un petit peu d'argent en faisant de la peinture. Voilà. Et puis, on va mettre de quoi cuisiner ici. Donc, on va partir sur un frigo. Un plan de travail avec un évier, parce que c'est toujours mieux d'avoir un évier. Et puis, un four. Voilà, c'est la base. Donc là, on a de quoi peindre. Et puis là, je vais mettre la table. Alors, je vais regarder le mixologue, du coup, combien ça coûte. Ok, je vais le mettre dans le coin juste ici. Et puis, on va se mettre une petite table comme ça au centre de la pièce avec une chaise. Voilà, on va commencer avec ça, déjà. Ce serait déjà pas mal. Je vais regarder ce qu'il y a comme plante d'hiver. Parce que du coup, ça peut être pas mal, ça aussi. Sachet d'herbacha, fruits. Plante magique pour débutants. Ça, j'ai jamais fait, ça pourrait être rigolo à faire. Alors, je pourrais lui mettre des petits pots ici. Voilà, et puis lui prendre un sachet d'herbacha et puis lui faire planter. Hop. Bon, pour ce qui est du niveau de poussière, il faudra aussi trouver quelque chose. Ouvrir le sachet. Parce que oui, du coup, j'ai quand même le niveau de poussière. Alors, nous avons herbe,
colorer. Et ceci. Alors, je sais absolument pas si ça va fonctionner. Planter. Planter. Alors, du coup, c'est. On va déjà faire celle-ci et puis je verrai pour plus tard. Voter les plans du quartier. Donc là, nous avons. C'est neutre pour l'instant, les plans du quartier, si c'est ça, le quartier est neutre. Voilà, maintenant on va arroser. On peut pas arroser? Bon, bah, on va commencer tout de suite par s'entraîner, tenir une barre, engager un mixologue, préparer une boisson. Ça va. Alors, préparer sa boisson préférée, préparer une boisson, une boisson pour. Alors, préparer une boisson, Sans tu. avec glaçon. Hop. C'est parti, on commence. Parce que du coup, comme il faut commencer, alors préparer deux repas en étant inspiré, préparer cinq repas. Excellent. D'accord. Bah, du coup, elle va faire ça. Donc, la plupart du temps, oui, je joue en accéléré parce que sinon, je ne suis pas sortie de l'auberge. En fait, je trouve que c'est long à chaque fois, donc du coup, je joue souvent en accéléré. Ravioli aux légumes. On va commencer avec une portion individuelle. Il faut qu'on fasse alors deux repas en étant inspiré et cinq repas en étant cinq repas excellents. Je pense que je pourrais être inspirée quand je ferai de la peinture. Alors peut-être essayer de faire ça. Bon bah du coup elle mange son repas. Mais Je je suppose suppose que que ça. ça. Si Si, ça. ça y est déjà. Ouais, c'est ça. Elle va aller dormir un peu. Parce qu'elle m'a l'air crevée. Déjà. J'ai appris que vous me serez venu pour la première fois. Ah, ça a déjà commencé à pousser. Ok, donc c'est notre sœur qui nous envoie un message comme quoi on a. Elle est contente pour nous d'avoir eu ce travail. Alors, voici. Il n'a pas payé. On va, vu qu'elle part travailler, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver tout de suite après, et puis pour vous montrer ses tenues. À tout de suite. Nous revoilà dans le créer un Sims pour découvrir ses tenues. Du coup, ce que je trouve vrai, c'est pourquoi elle en a que deux, alors qu'elle est jeune adulte et normalement elle est censée en avoir trois. Bon, c'est peut-être un bug. Je sais pas du tout. Bon. Pour commencer, c'est ça fait partie d'un téléchargement que j'ai fait. Du coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé de lui mettre ce petit pull parce que je le trouvais hyper sympa. Ensuite, c'est un petit pantalon aussi que j'ai téléchargé qui est en cuir. Et puis des petites bottines aussi que j'ai téléchargées. Voilà. Les personnages sont tous dans la galerie, donc il y a la famille complète dans la galerie. Après, à vous de les disposer comme vous voulez, si vous voulez les disposer ou les laisser tous ensemble. Donc vous avez les deux grands-parents de chaque côté des deux papas. Vous avez la sœur, le personnage qu'on joue, et puis les deux papas du coup. Dans la galerie. Et puis pour les contenus personnalisés, si vous voulez les avoir, je mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir.
Ensuite, nous avons la tenue de fête. Donc, c'est pareil, c'est une robe que j'ai téléchargée, que je trouvais très très belle. Voilà, elle ressemble à ça. Donc, j'ai plein de robes téléchargées, mais j'ai mis celle-ci. Je trouve que ça se présentait un peu plus au personnage. Ensuite, sa tenue de sport, c'est aussi que des choses que j'ai téléchargées. Et j'aime beaucoup sa tenue de sport d'ailleurs. Je trouve que j'ai très bien fait. Sa tenue pour dormir qui fait partie du jeu de base, du coup. Donc c'est celle-ci que j'ai mis en violette. Ensuite, pour les fêtes, il me semble, voilà, pour les fêtes, j'ai mis celle-ci. Donc c'est celle de décoration d'intérieur. J'avais jamais vu cette robe et je la trouvais très très jolie. Donc j'ai décidé de lui mettre. Avec des petites chaussures, voilà, que j'ai téléchargées. J'aime beaucoup ce style de chaussures. Ensuite, le maillot de bain. Bon, bah, rien de plus simple, hein. J'ai mis le maillot de bain qu'on a avec île paradisiaque, du coup. Donc, le haut et le bas de l'île paradisiaque de la même couleur. Ensuite, pour la tenue d'été quand il fait chaud, j'ai mis un petit short en jean qui est dans soirée bowling. Le haut, c'est soirée bowling aussi. Et puis les petites chaussures comme ça à paillettes, c'est pareil, c'est des chaussures que j'ai téléchargées. Ensuite, vous avez le temps froid, vous avez les chaussures de décoration d'intérieur, il me semble. Ensuite, j'ai mis des petites chaussettes hautes. Je crois que c'est du jeu de base, en fait, les chaussettes hautes. Ah non, c'est au travail. Et puis cette robe que j'ai téléchargée avec un petit collier et des lunettes. Et pour la coupe de cheveux, c'est pareil. Je l'ai téléchargée aussi. Donc sur le même site. Donc de toute façon, je le mettrai en description, mais ça s'appelle The Sims Ressources. Et je vous mettrai le lien en description, comme je vous disais. Donc voilà pour ce Sims. Et voilà. Elle n'est pas allée à l'université, elle n'a pas un diplôme de cuisinière, mais elle cuisine. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est passé qu'il est... Ah, mais il est passé où? Il est où? Ah, ok. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça. Du coup, ça, c'est pas grave, je vais le revendre parce que du coup, je n'ai pas vraiment besoin. Hop, et puis on va repartir sur les cuisines. Alors du coup, on va les faire cuisiner. Qu'est-ce qu'on va les faire cuisiner cette fois-ci? Sandwich au fromage fondu, c'est la base. Farine, on n'en a pas. Alors non, je voulais pas que tu fasses ça. J'ai pas encore regardé. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, sandwich au fromage. Je pense que je vais lui faire des onigiri, si ça se dit comme ça. Une portion pour 8. Comme ça lui fera déjà deux repas pour tous les jours. On va voir si ça lui peut augmenter un petit peu ses repas. Et puis après, elle ira faire un petit peu de peinture. Les votes sont maintenant terminés. Un esprit sain dans un corps sain a reçu le plus de votes de la communauté. Il prend effet immédiatement. Niveau supérieur, donc je suppose qu'on est passé au niveau... atteint le niveau 2 de la compétence cuisine. Mais on n'a pas... Si, excellent. Hop. Bon, on va la laisser se reposer un petit peu. Solitaire, oui, ben je sais bien. Pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Et puis elle va dormir un petit coup. Je vais mettre les rideaux dans cette pendant qu'elle sera au travail. Parce que je me dis que les petits rideaux, ça pourrait être... Juste là. Je vois. Alors, Vladislaus Strode, bonjour, je voulais juste vous accueillir dans la communauté et ben, je sais pas. Du coup. Alors, je me demande si du fait que j'ai pas, parce que j'ai beaucoup de packs de Sims, mais j'ai pas les Sims du coup au restaurant et je me demande si ça...
comment dire, si on a une notoriété ou pas, par rapport au fait est-ce qu'on va devenir connu une fois qu'on sera chef cuisinier ou pas. Oui, je suis avec mon copain, il fait un petit peu n'importe quoi, du coup, derrière moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme inspiration? Préparer un repas pour un groupe. Ouais. Acheter un instrument? Non, peut-être pas, on va pas abuser. Cliquer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Devenir inspiré. Oui, ça, c'est possible. Alors, qu'a-t-elle découvert? Oh, ça, c'est joli. On va le voir. Okay. Ah, récolter. Tout vendre. Elle va prendre des restes qu'on lui a préparés. Elle travaille à 9 h, donc ça va. Et puis elle va commencer une petite peinture vu qu'elle voulait être inspirée. Toile représentant des Sims. Allez, pourquoi pas. C'est parti. Et ça, hop, au sale. Et je pense qu'on peut pas pêcher parce que du coup, voilà, on est en hiver, donc la pêche, les poissons sont partis. Moi, je trouve ça très bien fait avec le lac complètement gelé. En fait, je trouve que c'est bien fait le lac gelé comme ça. Alors, le Sims, oui. Pourquoi pas, c'est censé représenter un Sims. Puis vendre, voilà. Alors, si je fais de la peinture, je peux gagner de la notoriété, mais... si je fais de la cuisine, est-ce que ça fonctionne? Le chemin de la gloire, qu'est-ce qu'on me dit? Les signes, c'est plusieurs fois l'air et le c'est carrière professionnelle. Améliorer votre production à travers la station de production vidéo, l'installation d'exercice de la mention notoriété. Elles vous aideront à devenir une superstar. Donc là, elle est partie au travail, la convention geek. De toute façon, on ne pourra pas y aller parce qu'il faut vraiment qu'elle s'améliore. Elle est déjà à la compétence 2. Mais j'aimerais voir. Ah, excellent. On aura peut-être une promotion. Et je crois que c'est le cas. Promu au poste, lave-vaisselle en chef. C'est génial. Athéna a été promue lave-vaisselle en chef. Elle gagnera désormais un simplouce de plus par heure, soit 16 simplouces de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus de 334 simplouces au plan de travail chic d'entreprise. D'accord. Ok. Leçon sur votre caractère à travers les animaux. De toute façon, je pense qu'on prendra un animal plus tard, peut-être un chat ou quelque chose comme ça. Peut-être pas instant, mais peut-être plus tard. Alors, préparer, manger, tuk-tuk. Ok. Hop. On va préparer à manger, du coup, qu'est-ce qu'elle va donc nous faire? Oh, Oh, fromage, fromage, on peut faire du... Fromage, on va peut-être pas commencer par du fromage. Hein. Haricots, saucisses, ravioli chinois aux légumes. Ok, j'arrive pas à lire ce qu'il y a d'écrit, mais Yorkshire pudding. Je suis désolée pour la prononciation, elle est horrible, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a d'écrit. Alors pour l'instant, on peut faire que ça. Alors on va partir sur les pains des muertos.
Et puis on va faire ça, voilà, déjà dans un premier temps. Tu as déjà entendu parler des épreuves de motivation. Apparemment, des Sims sont emmenés dans un endroit isolé et doivent se battre royalement. Je crois que tu aimerais participer à un truc de ce genre. Seulement si ça dure moins de 2 semaines. Oh, cela ne termine que lorsqu'il ne reste plus qu'un sim. Si cela durait seulement 2 semaines, ce ne serait pas assez épique. On a perdu des points avec notre sœur. Mais ça va. Alors ça, c'est le grand-père. Alors du coup, ça, c'est toute la famille. Du coup. Donc, il y a les grands-parents et puis les parents. Ouvrir le profil. Alors, je crois que sa sœur, elle est ado. Voilà, exactement, ado. Égocentrique, délicate. Elle aime la comédie, le bien-être, la danse, la production de médias, la photographie, le ski, la fitness, le jeu d'acteur et le chant. Elle n'aime pas la pâtisserie, la robotique, l'escalade, le violon, l'écriture, la pêche, les DJ mix et le bricolage. Elle aime la décoration, mission, décoration moderne et elle n'aime pas la décoration Cosmoluxe. Un ami de toujours. D'accord. Ça, ouvrir le profil. Alors, ni ami ni ennemi, juste une relation ordinaire. Père au foyer. Du coup, il aime le disco moderne, le folk japonais, le blues, le hip-hop. Il aime pas ça. Il aime bien la comédie, le bricolage, la peinture, le bowling. Il n'aime pas le jardinage. Alors, il aime le jaune, le blanc, mais pas le marron. Et ça, c'est ses traits de caractère. Ok. Ça, c'est le papy, du coup, je crois. Alors, sans emploi, connaissance, conjointe, Stéphanie Grec, donc personne âgée. Donc, ça, oui, c'est son papy. Du coup, donc le blues, la musique classique. Il adore les animaux, donc elle a un peu gagné de ça de son papy. Bon. Elle en est où de sa cuisine, du coup? Donc, on faisait ça. Alors, 3. Hop, on peut ranger. Alors, divertissement. Elle manque de divertissement, du coup. Toit classique, on va faire une petite toile à 50 euros. Enfin, 50 simples, du coup. J'adore ce qu'elle dessine. Niveau supérieur, niveau 2. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Est-ce que ce serait pas une pastèque avec des pommes? Un appel pictural. Athéna, savoure chaque coup de pinceau. Doit-elle annoncer la couleur de la peinture? Oui. Elle va avoir un petit souffle, pas mal. Et puis, elle va annoncer qu'on est fatigué. Et voilà, on va mettre classique. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi non. Ah, il y a Vladislo ce qui est devant chez nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais non, mais tu dé... Non, tu dégages. Quoi? Je peux rien faire. Se faire boire son plasma? Non, je ne veux pas. Non, mais c'est une blague. Alors, ça, je savais absolument pas qu'il pouvait faire ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais fermer la porte. Parce que la dernière fois qu'il est rentré chez moi, il a été gentil, on a discuté, etc.
Bon bah va dormir et puis je vais faire défense d'entrée, ne pas autoriser les ennemis, ne pas autoriser les démarcheurs, ne pas autoriser les vampires. Mordu récemment, se faire mordre par un vampire. Aïe, pourquoi est-ce que ça fait mal? Je sais que tu as faim, du coup tu vas prendre des restes. Vas prendre des restes. Alors, hop. Allez, va faire pipi. Prends un repas en plus tu as de l'eau. Ok. Il faut que tu manges avant d'y aller. Tu as besoin des crades, alors il va falloir que je trouve un moyen de nettoyer. À moins que j'aie pas de ménage. Alors. Une sur Instagram, consulter les réseaux sociaux, discuter avec, déménager, prendre des vacances, prendre un jour de congé, trouver un petit boulot, démissionner, trouver un emploi. C'est où déjà? Ah oui, acheter un service. Un service. Pour 40 sim plus 20 sim plus de l'heure. Bon, pourquoi il y en a jeu régulier, particulier? Oh, crois que j'ai plus de batterie sur mon ordinateur et j'avais. Pas vu. Je dois le mettre en charge. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Alors, régulier, ponctuel. On va prendre ça. Et ensuite, on va la faire sortir un petit peu. Alors, on va aller. Pourquoi? Allez, toute seule. Alors, nous avons la bibliothèque. Si j'allais à la bibliothèque, ça va me permettre. Et nous voilà à la bibliothèque, du coup. Donc, on va prendre un livre. Donc, on va lire sur cuisine volume 1. Voilà, ça va être un premier petit truc. Après, j'ai vu qu'elle avait un peu faim, alors de toute façon, on rentrera, elle va digérer son livre et puis on verra ensuite ce qu'elle va faire. En plus, elle a des ordinateurs. En plus, je pensais refaire les bibliothèques, peut-être trouver un truc pour faire quelque chose d'un peu plus. De changer un petit peu. Non, vas-y, Est-ce qu'on trouve? vas-y. Ah ouais. Il y a une. Ah oui, c'est marrant. Ouais, c'est où que je m'empêche? Bah.
Du coup, alors voyons voir. Elle est passée au niveau supérieur, du coup, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais une tombe. Allez, pourquoi pas. Elle a envie de faire pipi. Hop, utiliser les toilettes. On est où là? On n'est pas un truc. Et ça, c'est qui déjà? Je crois que c'est son grand-père en plus. En plus, c'est la fin, elle va aller au bar. Elle peut pas prendre des chips. Comment elle mange un dîner? Elle va les aimer. Oh! Hop. Donc voilà, elle va commander à manger. Et puis, faut faire les potes. Qu'est-ce qu'on met? Pourquoi moi je marre? Ah, bah tiens, il y a quelqu'un qui va être. Du chien. Je trouve ça sympa en vrai. Non. Comme s'il approche de ça. Non, mais tu sais, parce que sinon après, Bah non, non, il t'as me pas y attendre, détruit. t'inquiète pas, mais oui, t'inquiète pas, de toute façon, j'utilise pas de stuff là. Alors, c'est bientôt terminé, donc nous on va dire au revoir et on va aller se coucher. On a assez. Et puis, on y va. Allez, on va rentrer à la maison. On a trois fantômes verts. Et... Alors, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est dommage. C'est les fantômes avant, donc ceux qui étaient morts parmi les trois requins. Parce que je sais pas pourquoi je ne peux pas faire la même chose. Parce que les fantômes ont parlé de ça, mais on peut même avoir des fantômes à couple avec des fantômes. Je trouvais ça drôle. Vite, faut que ça se termine. Soirée, faites au bas. Hop, on rentre. Et on peut sortir devant, après, ça fait du bien. Rentrée, elle va manger, elle va se manger. Vous dites oui. Et nous revoilà à la maison. Alors, en attendant, la personne que j'avais demandé à ce qu'elle vienne, elle est jamais venue. Là, il y a un tas creusé au quai. Mais pour l'instant, on va qu'elle aille dormir. Parce qu'elle est claquée. Elle va prendre un repas rapide. Non, elle va prendre des restes. Et puis, voilà. Bon ben tant pis, hein. Pas le temps de dormir plus.
Allez, vite, avant de partir au travail. Mais non, t'as pas le temps de rêvasser là, tu dois vite manger. Bon, c'est pas grave, parce que là, je trouve qu'elle rêvasse un petit peu trop du coup. En vrai, je pense que ça, je leur ferai pas. Hop, j'allais chercher vite fait un aspirateur. Je pense que je leur ferai pas la faire sortir en pleine semaine parce que rentrer à 5 h du matin et puis pas pouvoir faire ce qu'il y a à faire, c'est un petit peu chiant. Aspirateur. Mais pourquoi je ne pas? Aspirateur. Non. Voilà, on va prendre celui-ci, ça ira très très bien. Hop. Et puis quand elle va rentrer, j'ai regardé ses besoins où ils en sont. Je crois que j'ai terminé sa 39. Quoi? Mais de qui? De quoi? Qui a terminé quoi? Bon. D'accord, j'ai pas bien compris, mais pourquoi pas. Est-ce qu'elle peut travailler dur? Ok, elle va rentrer, du coup, elle est fatiguée, forcément. Du coup, elle va dormir tout de suite. Et puis après, elle ira nettoyer la maison parce que c'est le boxon. Non, on peut pas y aller. On travaille demain. Alors, hop, elle va prendre une douche aussi. Elle va prendre des restes. Et puis elle va peindre. Non, parce qu'elle est pas, elle est tendue, qu'elle peut pas. Donc elle va passer l'aspirateur pour que ce soit un petit peu plus propre. Elle va manger un petit peu tout ce boxon, nettoyer. D'accord, alors il y en a un qui est parti. Passer l'aspirateur encore. Ah, ça y est, cette fois-ci, c'est parti. Maintenant, elle va. Hop. Voilà. Ça lui fait faire quelque chose. Puis après, elle ira aux toilettes. Elle a la compétence logique. C'est déjà pas mal. Et elle va reprendre figure. Qu'est-ce qu'elle a? Nausée. Non, on ne peut pas rejoindre le groupe des sportifs. Et là, elle doit aller travailler en plus. Non, on va... Mais quoi? Bon. Tout vendre. Mauvaise herbe. Non, moi je dis qu'elle aime bien le jardinage. Hop, enfin. Elle est partie au travail.
Et ben voilà, Arthur Grec, l'un de mes festivals.